Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de lundi 14 septembre. La séance de vendredi est à la fois encourageante et préoccupante. Encourageante parce que nous avons inscrit un nouveau plus haut. Les 1006 ont été vaincus. Encourageant également parce que la bougie est verte, ce qui montre la force intrinsèque des acheteurs et de l'or. Inquiétante cependant à plusieurs titres. Tout d'abord, les plus hauts n'ont pas été tenus et il s'en est fallu de près, mais nous clôturons en dessous du précédent top qui ne figure plus, mais qui figurait hier à 1006. D'ailleurs, la longueur de la mèche haute montre que les acheteurs ont un peu paniqué lors du passage de ce précédent top, à moins, ce qui revient en gros à la même chose, à moins que les ours aient fait preuve de plus de conviction et soient parvenus à repousser les taureaux dans les derniers échanges. C'est inquiétant parce que nous dessinons à présent des divergences baissières. Nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, mais qui n'ont pas été accompagnés par des plus hauts sur le stochastique ni sur le momentum. Cela s'appelle les divergences baissières. Cela signifie que lorsqu'il y aura une baisse, celle-ci sera d'autant plus prononcée. Et surtout, cela signifie que la hausse commence à devenir non pas malsaine, mais plus aussi saine qu'avant. Maintenant, si le marché décide de faire fi de ces avertissements, la prochaine résistance est le top absolu à 1033, qui n'est plus si loin en fait des cours actuels. À l'inverse, si les acheteurs et les intervenants en général décident de reprendre leur souffle, on peut espérer que les 983 servent de support si le bas du canal mauve devait lâcher. Donc c'est une séance assez mitigée demain qui devrait s'annoncer. Je pense qu'il faut privilégier encore les trades longs car la tendance est haussière, mais ne pas oublier que la hausse est fortement fragilisée par tout ce que j'ai pu dire avant. Donc, bien être sûr de la qualité des signaux avant de rentrer et ne pas acheter n'importe comment, voire même passer son tour. Très bien, bonne soirée, bon trade et à demain.